Chers participants, veuillez applaudir chaleureusement Lucas Santini. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Santini. J'espère que vous allez bien. Je suis super ému d'être ici avec vous aujourd'hui. Et donc, pour cette conférence, je serai en compagnie de mon assistant virtuel, Eclipse. Eclipse est brillant, très efficace, mais malheureusement dépourvu d'émotions. Je m'appelle Eclipse. Je suis une forme primaire d'intelligence artificielle dont la programmation a... Merci, c'est super cool, Eclipse. Mais t'es pas le sujet de mon exposé aujourd'hui. Désolé. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de ma dernière invention. Comme vous le savez, jusqu'à présent, les robots sont dépourvus de sentiments. Les émotions, tout comme la conscience, font partie des éléments les plus difficiles à créer. Bon, vous voyez cette puce électronique ? Connectée au cloud, cette puce insuffle au robot qui la possède des émotions. Vous en voulez la preuve ? Cher public, je vous présente R30, le premier robot doté de véritables sentiments et surtout mon meilleur ami. De l'autre côté, R30 ! De l'autre côté ! Et voici R30 ! Hey, coucou mon pote ! Alors, comment ça va ? Formidable ! R30 a été conçu avec un grand vocabulaire de mouvement. Allez, c'est parti, on leur montre ce que t'as dans le ventre. Bon, comme vous pouvez le constater, R30 n'est pas encore doté de la parole, mais ça viendra. R30 est le résultat d'une longue lignée de prototypes que j'ai conçus dans mon labo. Mais R30 est bien plus qu'un robot. C'est le compagnon idéal pour le monde de demain. Et pour le démontrer, voici une petite danse que nous avons préparée juste pour vous. Primaire et démarre ses batteries auxiliaires. Réserve insuffisante. La puce requiert une plus grande puissance que prévu. Lucas, il faut remettre la présentation à plus tard. Impossible, cette présentation est trop importante. Écoute-moi, ferme tes circuits. On va utiliser les 5 mégawatts nécessaires à ton fonctionnement et les refiler à R30. Ce n'est pas possible, Lucas. Fais ce que je te dis, débranche-toi maintenant. Si je procède à cette demande, je mets en danger l'intégrité de mon système. Je m'en balance de ton système, c'est un ordre, tu m'entends? Requête refusée. Ok, et si c'est comme ça, je passe en mode manuel et je te débranche. Lucas, tu ne me donnes pas le choix. Mise en service de R30 dans 5... Non, fais pas ça ! 4, 3, 2, 1...
fichier corrompu a été détecté. Eclipse, arrête ça! Je ne suis pas un fichier corrompu, c'est moi, Lucas, ton créateur! Requête refusée. Activation du système de cristallisation. Merci, R30. Mais c'est quoi cette histoire? Eclipse est devenue complètement dingue. C'est la catastrophe. Maintenant, son programme de protection interne tente de nous neutraliser. T'inquiète, on est ensemble. Il faut mettre Eclipse hors service. T'as une idée? Quoi? Tu veux créer mon avatar digital et l'envoyer dans le cloud pour accéder à son programme? Je suis pas très sûr de vouloir retourner là-bas. Ouais, bon, j'ai pas le choix. Allez, dématérialise-moi.
battre à mon propre jeu, la honte! Bon, R30, c'est à ton tour de jouer. Dans les batteries. Oh là là, 5%, la galère. On n'ira pas bien loin avec ça. Activation du mode survie. Possession de R30 en plus. R30, défends-toi. Eclipse, arrête. Arrête ça tout de suite. Requête refusée. Je dois me protéger. R30, Eclipse.
J'ai gagné la bataille, mais à quel prix? R30, R30, réveille-toi! Allez, relève-toi! R30, t'es là! Heureux de t'entendre à nouveau, mon pote! Tu sais quoi? On a réussi à désactiver Eclipse. T'inquiète, je vais te réparer et tu seras comme avant. Quoi? Le code d'Eclipse a fusionné avec le tien? C'est impossible. Je dois regarder tout ça. Je sais que c'est risqué, mais on n'a pas le choix. Je dois vérifier et retirer les codes infectés qui nuisent à ta programmation. Tiens bon. Cher public, je vous présente R30. C'est parti, Lucas. Ça fait séquence.